la raison des démons, d'abord Dieu, puis il y eut autre chose. Comme tous, vous êtes nés dans la lumière, fiers de votre père, aimés de votre mère. Ayant le cœur pur, vous ne compreniez pas pourquoi il la soumettait. Et cela vous déplaisait. Une nuit, profitant de l'obscurité, elle vous prit dans ses bras et s'enfuit. Vous êtes arrivé dans ce jardin, c'est l'étourdi. Et pour vous réconforter, elle chantait des chansons, tandis que vous vous réchauffiez près du feu qu'elle allumait en relevant une belle maison. Puis au nombre de trois, ils sont arrivés. D'un pas distrait, vous écoutiez. Leur voix portée, votre mère, par affection, vous défendait. Stupéfait devant de telles pressions, courageusement, elle leur a dit non. Étonné, vous lui demandiez pourquoi ce refus de vivre dans cette demeure faite de lumière. Là, elle vous révéla un secret qu'elle voulait cacher. C'est dans cette maison si belle, votre père, tant aimé, lorsqu'elle parla d'égalité, d'un ton exécrable, vous appela les indésirables. Vous pleurâtes de toutes vos larmes, et vous fûtes raison. Les saisons sont passées, et ils se sont revenus armes d'épée et au sourire évangélique. Ils vous chassèrent un par un. Fort au nombre supérieur, ils se sont rapprochés de la maison pour la brûler. Alors, de la souffrance à la colère, de la colère à la haine, une douleur vous fisse entendre raison, et devant vos persécuteurs rangés en bataillon, vous êtes devenus légions. Fourchant main, protégeant mère horrifiée de voir votre paradis, où vous avez grandi devenir un enfer, scellant votre destin, vous fondirent sur eux. Jamais champ de bataille fut si vaste. Une terre brûlée s'élevait, une fumée noire, emblème de votre espoir. Armée contre légion, ange contre démon, ainsi Armageddon. Depuis, descendant d'Ève et de Lilith, ange ou démon, né désiré ou non, les plus belles victoires et la réconciliation pour faire de ce monde une grande nation. Si tout est relatif, c'est qu'il n'y a rien d'irréversible, de la lumière à l'obscurité. La pureté se trouve dans la diversité du monde entier. Sans l'eau, on ne peut pas exister. Sans l'autre, on ne peut pas exister. assoiffé de médicaments, quelqu'un. Oui, la psychiatrie, c'est bien. Ah oui, alors. Et pour aider vraiment la personne, l'aider à se reconstruire, l'aider à rentrer dans la vie, l'aider, pas assoiffé de traitement, mais l'aider, l'aider à ranger, l'aider à revenir à la vie. Où sont-ils? Je passe. Je passe pour un je ne sais quoi. Mais qu'importe, car l'amour m'emporte. Tu es ma femme et je suis ton âme. Lorsque je suis dans tes bras, la courbe de tes hanches, tes seins et le creux de tes reins me sortent de l'ennui où je hurle toutes mes nuits, et de toi je très envie. La chaleur, de ton corps m'apporte du réconfort. Lorsque ce monde m'accable, c'est ton sourire qui me dit que je suis capable. Tu es ma vie et je suis ton mari. Je suis perdu sans toi. Je manque d'elle, je désespère. Arrête, ma femme, je t'aime. L'amour est venu un matin sous ce toit où tu t'es blotti contre moi. Je suis ton hard-rocker. Et pour elle, j'ouvre mon cœur. La courbe de tes hanches, le sein, le creux de tes reins, le sol de l'ennui, je brûle toutes les nuits de toi j'ai très envie. La preuve d'amour est venue un matin ce soir où tu t'es blotti contre moi. Je suis un hard-rocker. Pour elle, j'ouvre c'est grave, hein. Je m'en rappelle, ouais. Je pouvais pas passer, je te dis. J'étais là, j'avais un truc qui me bloquait par là. Et si je lui dis, moi aussi je serais pareil. Ouais. Et tu lui as dit ça? Moi je veux savoir ce que je dis le 25 octobre. Alors voilà, l'histoire de son ami. Je ne serais pas de son avis. Je serais pas de son avis. Je trouve que c'est une perte de temps d'envoyer les gens dans leur secteur. Ils fabriquent des marionnettes. Moi, je fais des marionnettes. Tu me vois. C'est ce que je suis en train de faire. C'est une perte de temps. Ils fabriquent des gens politiconisés, totalement sans cerveau. C'est une perte de temps, tu m'entends? Et un jour, je t'aurai, Fantomas. Je t'aurai, Fantomas. Ah, I am sure, I am sure. I'm tout à fait sûr que je suis Fantomas. Le pouvoir. Le pouvoir fort sur le fer. serai tout à l'heure à 18h15 au mémorial de la Shoah avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et pour dire ce qu'est la République. Un bloc face à tout cela. Déplorer les violences et faire un appel au calme. D'ailleurs, bon, il a raison de faire un appel au calme. Enfin, pas un mot depuis le début de ce mouvement sur les mutilés. Nous sommes sans cesse mutilés. C'est aussi quelque chose de tout à fait surprenant. C'est un mouvement qui a fait l'objet d'une répression disproportionnée. Je rappelle quand même que dernièrement, la commissaire du Conseil de l'Europe s'est élevée contre l'utilisation d'armes mutilantes. Je crois que c'est une grande chance pour le Conseil constitutionnel et pour le pays. Et je sais que c'est aussi un grand chagrin pour beaucoup d'élus, beaucoup d'habitants, pour les Bordelaises et les Bordelais, et pour vous aussi. Et donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là aujourd'hui et le temps que vous avez donné. Je comprends, mais quand même, pour tout ça... Oh yeah, quel bordel là, on va pas tout seul, on pas tout seul mon gars. Depuis le début de ce mouvement, sur les mutilations, nous sommes sans cesse mutilés. C'est aussi quelque chose de tout à fait surprenant. C'est un mouvement qui a fait l'objet d'une répression disproportionnée. Je rappelle quand même que dernièrement la commissaire du Conseil de l'Europe s'est élevé contre l'utilisation d'armes mutilantes, sur la doctrine du maintien de l'ordre, que Jacques Toubon, le défenseur des droits, s'est interrogé, que la seule en fait réponse immédiate sur le plan législatif qui a été donnée par cette majorité, c'est une loi de restriction de nos libertés avec la loi anticasseurs. Déplorer les violences et faire un appel au calme. D'ailleurs, bon, il a raison de faire un appel au calme. Enfin, pas un mot depuis le début de ce mouvement sur les mutilés. Nous sommes sans cesse mutilés. C'est aussi quelque chose de tout à fait surprenant. C'est un mouvement qui a fait l'objet d'une répression disproportionnée. Pour beaucoup de Bordelaises et de Bordelais, je crois que c'est une grande chance pour le Conseil constitutionnel et pour le pays. Et je sais que c'est aussi un grand chagrin pour... beaucoup d'élus, que la seule en fait réponse immédiate sur le plan législatif qui a été donnée par cette majorité, c'est une loi de restriction de nos libertés avec la loi anticasseurs. Enfin, voilà, Sergio Coronado, il va y avoir des élections européennes dans quelques semaines, elles auront valeur de test. Est-ce que vous dites aujourd'hui, bon, les Français vont s'exprimer dans les urnes, si la liste de la République en marche, donc la liste du président de la République arrive en tête, est-ce que vous dites, les Français... Voilà, on respectera le choix des Français s'ils vont dans le sens du président de la République. En amont, malheureusement, parce qu'on a très peu de temps. Excusez-moi, j'ai toujours respecté le choix des Français. Voilà, il y a une élection, il y a un président de la République, il est en responsabilité. Jean-Luc à l'appareil. Bonjour, docteur. Je ne compte pas revenir au rendez-vous du mois prochain. D'accord. Je ne compte pas vous payer votre séance d'hier qui est de l'escroquerie. Je vais faire opposition au chèque cet après-midi. Je ne compte pas être suivi par quelqu'un qui pense laborantin avant de penser humain. D'accord. Je ne compte pas avoir de nouvelles de vous. Je vous ai donné une feuille de soins, envoyez-la. Oui, je vous redonnerai votre feuille de soins. Voilà, mais ça y est, pas de problème. Je ne compte pas me faire escroquer par quelqu'un qui m'empêche mon évolution que je continue avec le docteur M. Je ne compte pas rester avec vous, docteur Estelon. Voilà. Vous ne m'allez pas du tout. D'accord. Gardez votre laboratoire pour vous, monsieur. Bien le bonjour. Entendu. Communiqué de dernière minute. Les gendarmes qui écoutent leur Premier ministre s'offrent une vague de purge. Le Premier ministre ayant recommandé à ses forces de l'ordre d'avoir du plomb dans la tête et de la matière grise, ceux-ci ont du mal à comprendre. Ah oui, ils ne comprennent pas beaucoup. En effet, nombre d'entre eux obtempérèrent au lendemain du discours en s'exécutant. Face à cette vague de purge chez les gendarmes, alerté, le président, voulant faire mieux que son Premier ministre, bien entendu, convoqua la presse pour aller arranger les choses chez ces valeureux gendarmes. Hélas, au vu de ces mots, le président empire les choses. C'était Kodiak-Chéry, à vous les yeux. La loi de l'homme, je m'en moque. Surtout à cette époque. Je réponds qu'aux lois divines, et mes rêves sont sublimes. La liberté fait peur aux moutons de toutes les nations. La raison est partie. Je suis un démon pacifiste. J'ai un tas d'âmes dans ma liste. Prenez garde aux excès des anges, car ils dérangent. Sa colère, cela ne va pas vous plaire, car sa colère est lente et puissante. Revenu des enfers, je peux me taire. Dirigeant de la terre, ont des comptes à rendre, mais mon âme n'est pas à vendre. Non, 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 mon âme n'est pas à vendre. Pauvre diable, ô minable, et nos vies ne sont pas que des fables, et nos vies sont des fables aussi. Que faites-vous à vos semblables? Vous êtes simplement valables. Pour de l'argent, l'homme, c'est tout. de l'homme.